y a encore des artilleurs qui ramènent leur sale gueule dans le coin, ce serait bien si on avait un peu plus d'armure. Salut. Tu veux te faire bricoler ton armure assistée? T'es au bon endroit. Tu sais, les cats ont les modules les plus cools de ce côté-ci de l'enfer. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Hey. Que tu veux? Salut. Tu sais ce qui m'éclate? Installer un nouveau module sur mon armure. Ça te branche? D'accord, voyons ça.
Ok, j'y vais. Prends tout ce qui pourrait servir. Attention. Ouais, ouais. Je m'en occupe. Hé hey. Tu veux parler, je suis là. Il faut enlever l'armure assistée. Compris. J'espère que vous allez faire bon usage des armes. J'appelle être armé jusqu'au nord. Ça vous va pas mal.
Excusez-moi, mais je suis très occupé en ce moment. Myrna. Vous? Eh bien, j'imagine qu'on peut faire affaire. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. Un peu de tout. Si vous voulez pas trop vous alourdir, on peut parler du bon vieux pistolet à l'ancienne. Ou de quoi que ce soit d'autre dont vous pourriez avoir besoin. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Ce qui se fait de mieux en... Ok. Bonjour Myrna. N'oubliez pas, je ne sers pas les synthétiques. Mes marchandises ne sont que pour les humains. Voyons ce que vous avez là. Des trucs et des bricoles. Tous ces machins, tu t'encombres pour rien. Noël se change du tout au tout quand la nuit tombe. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Quelle belle nuit. Un bon feu, une bière bien fraîche, ce serait le pas.
La plupart des gens ont juste besoin d'aide. Tout ce qu'on a à faire, c'est leur en proposer. Surveillez mes arrières, et je surveillerai les vôtres. Je peux faire quelque chose ? N'hésitez pas. Si nous voulons conquérir le cœur de la population, nous devons répandre la doctrine de la confrérie dans tout. Le Commonwealth. Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous, chevalier. Nous sommes fiers de vous. Quinlan ? Ah, chevalier. Vous avez des documents techniques pour moi, peut-être ? Ou voulez-vous aider une patrouille de recherche ? J'ai trouvé des documents techniques pour vous. Ah, bien ! Justement, je n'avais plus grand-chose à étudier. Voici les capsules promises. N'oubliez pas, le Commonwealth est une source quasi infinie de documentation technique. Fouillez de fond en comble les bâtiments que vous explorez au cours de vos patrouilles. Et vous pourriez avoir d'excellentes surprises. Vous avez déjà utilisé un minigun ? Ça découpe les ghouls sauvages comme du papier mâché. Je peux vous aider ? Il me faudrait plus de puissance de feu. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui vous plaira. Si ça tenait qu'à moi, je prendrais tous les synthétiques, les ghouls sauvages et les mutants, et je les enverrais tous dans l'espace.
Ma liste de réparations ne cesse de s'allonger. Pensez toujours à mettre une autre balle dans la tête de votre cible, même si elle a l'air morte. Pourquoi prendre le risque ? Faites attention quand vous êtes sur le pont d'envol. La terre est basse. Merde. C'est vraiment le trou du cul du Commonwealth. Moi qui croyais qu'on pouvait pas faire pire que la fosse. Quoi ? Non, je Cléo. Fais pas d'échantillon gratos. Toutes les armes que vous voyez là peuvent faire la différence entre la vie et la mort, l'artiste. Voyons ce que vous avez là. Meurtre et désolation pour toutes les bourses. Emballer une tonne de matos, on dirait. Vous devriez vendre quelques trucs à Daisy avant que quelqu'un vous pique le butin. Salut. J'ai de la bonne marchandise. Jetez un œil au rayon, est-ce que ça se mange ou pas? Il y a souvent des bonnes surprises. D'accord, voyons ça. N'oubliez pas, pas de retour, pas d'échange, pas de menace de mort. Tu ramasses ce truc. Tu veux ouvrir un musée ? La confrérie de l'acier a intérêt de pas s'approcher de Good Neighbor.
Sympa le Pip-Boy, Frangine. Faites gaffe de pas le perdre. J'en ai vu des trucs pas nets dans ma vie. Mais un bateau volant... Hé, hey, Daisy. Ah, vous revoilà. Mon joli minois vous manquait trop, c'est ça? Non? Vous avez intérêt à acheter quelque chose, alors. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. J'ai de tout et de rien, pour toutes les bourses. Salut. Quoi ? Vous êtes à sec ? Allez au troisième rail. Salut. Daisy. Soyez pas timide. Je parie que j'ai ce qu'il vous faut. Voyons ce que vous avez. Tous les objets sont garantis, jusqu'à ce qu'ils cassent. Hé, hey, Daisy. Si vous voulez déposer quelque chose en gage, vous fatiguez pas à me dire que c'est une antiquité. Je suis sûrement plus vieille que tout ce que vous avez à vendre. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. Tous les objets sont garantis, jusqu'à ce qu'ils cassent.
Allez. C'est qui, la rousse? Elle a un regard qui dit « je vais te planter un surin entre les omoplates ». Jetez un œil au... Bien. Voyons ce que vous avez là. N'oubliez pas. Pas de retour, pas d'échange, pas de menace de mort. Les avoir bien accrochés pour débarquer ici. Vous trimballez une tonne de matos, on dirait. Vous devriez vendre quelques trucs à Daisy avant que quelqu'un vous pique le bouquet. J'arrive pas à le croire. On aurait vraiment dit Sammy. Mais il se comportait pas du tout comme lui. L'Institut croit pouvoir remplacer les habitants de cette ville par des synthétiques ? La bonne blague. Oh. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à sa mère ? Excusez-moi. Hé, hey, on est juste le comité de surveillance du quartier. On descend les espions de l'Institut partout où on les trouve. Des malades armés jusqu'aux dents ? Je me sens tout de suite en sécurité. C'est de l'humour ? Regardez autour de vous, imbécile. Good Neighbor prend soin des siens. C'est comme ça que ça marche. Et l'Institut ferait bien de comprendre que les sosies synthétiques, on les chope à tous les coups ici. Et maintenant, si vous vous tiriez bien gentiment, hein ? Vous avez une bonne raison de m'emmerder. Parce que je viens juste de buter un imposteur synthétique, là. Vous avez gaspillé des balles. Ah ouais. Vous auriez fait mieux, peut-être. Navré que vous ayez jamais eu la chance de tuer un homme qui a le visage de votre ami. Tirez-vous, maintenant. L'Institut et ses synthétiques. Une fois morts, ils sont pas si flippants que ça, hein ? On dirait qu'il y a un nouveau phénomène de foire en ville. Bienvenue à la maison. Salut. Ouais ? On laisse personne nous faire chier à Goulet. Si vous voulez faire de vieux os ici, il faut rentrer dans un gang. Pareil que Bobby s'en est recrute en ce moment. C'est pas de tourbeau, mais elle paye. Daisy. Si vous voulez déposer quelque chose en gage, vous fatiguez pas à me dire que c'est une antiquité. Je suis sûrement... Pas aujourd'hui, merci. Comment vous pouvez dire non à une beauté pareille ?
Ouais. Faut rester libre, sister. Ouais. Ah, vous revoilà. Mon joli minois vous manquait trop, c'est ça? Non? Vous avez intérêt à acheter quelque chose, alors. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. J'ai de tout et de rien, pour toutes les bourses. Tu ramasses ce truc? Tu veux ouvrir un musée? Ou trimballer une tonne de matos, on dirait. Vous devriez vendre quelques trucs à des... Fabriquer quelque chose, je vais lancer quelques diagnostics. Prenez votre temps. Le ciel est dégagé ce soir. Nous pourrons facilement repérer les ennemis en approche. C'est une belle nuit. Les créatures qui voient mieux dans le noir. C'est bon, on va en profiter pour chasser. Quelle belle nuit. Un bon feu, une bière bien fraîche, ce serait le paradis. Du moment que j'ai mon fusil laser et mon armure assistée, je ne crains personne. Caché indéfiniment. Je crois qu'on n'est pas seul. Si j'ai mon mot à dire. Pas très subtil de notre part. Je me demande si tous les journalistes font ça.
Surveillez mes arrières, et je surveillerai les vôtres. Comment je pourrais aborder ça ? Il y a d'un côté la confrérie, et de l'autre tout le reste. Et entre les deux, il n'y a rien. Rien ne reste caché indéfiniment. En tout cas, pas si j'ai mon mot à dire. Je suis heureux. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous apprendre mieux. La plupart des gens ont juste besoin d'aide. Tout ce qu'on a à faire, c'est leur en proposer. Agréable de faire partie de quelque chose d'aussi important que la confrérie, non ? Dites-moi si je peux vous prendre quelque chose pour vous alléger un peu. Ou si vous voulez que je relise votre journal de bord, par exemple. Mes copains disent que les étrangers sentent mauvais. Mais vous, pas du tout. Myrna. Tout ce qu'il y a ici vaut exactement le prix que j'en demande. Je négocie pas. D'accord. Voyons ça. Des trucs et des bricoles.
Un journaliste ne devrait jamais croire qu'il a réussi tant que sa vie n'a pas été mise en danger. Personnellement, j'ai très bien réussi dans ce métier. Nous n'échouerons jamais. On s'ennuie jamais dans le Commonwealth. Ce qui serait un bon point si on passait pas notre temps à fuir le danger. Comment je pourrais aborder ça ?